Bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le double pompe automatique. Alors, double pompe chasseur, ça a été patché, hein, voilà. RIP, le double pompe chasseur. On se souvient des bons moments qu'on a vu dans le best-of, par exemple, du Zapotron. Ce best-of magnifique, si vous l'avez pas vu, allez le voir, hein, parce qu'il était vraiment génial. RIP le pompe auto. Du coup, cette fois-ci, on va se rabattre sur le pompe automatique. RIP le pompe chasseur, pardon. On va se rabattre sur le pompe automatique puisque, en fait, le double pompe auto, ça a une utilité puisqu'on tire deux fois plus vite que la normale. Bon, après, je vais vous montrer ça. On va utiliser pompe chasseur et pompe auto pour un début. C'est toujours mieux. Ok. Salut. Ça, c'est fait. On va aller checker. Si on peut pas choper une bonne arme là-dedans, un petit sniper, pourquoi pas. Ah, il y a le mec qui va arriver. Attention. Ok, c'était compliqué. Un petit peu trop compliqué, je pense. Tac, on a rechargé ou pas? On a rechargé. On va recharger ici aussi. Et je vais vous montrer ça juste après. Ok, bon, par contre, lui, full perdu. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils sont pas ensemble, mais lui. What the fuck? What the fuck? The fuck? Mais calmez-vous! C'est quoi ce nombre de personnes là? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Merci. On va recharger. Ok. Ok. Parfait. Non, il faut pas recharger avec le pompe chasseur, sinon vous pouvez pas retirer avec. Bon, du coup j'ai pas eu le temps de vous montrer le double pompe auto, puisqu'on en a pas trouvé un deuxième. C'est pas grave, on a fait 7 kills, tranquillement. C'est une bonne game, c'est un bon début. On continue. Allons chercher un deuxième pompe auto, histoire que je vous montre. En tout cas, vous avez pu voir que pompe chasseur avec pompe auto, ça fonctionne bien. Ça fonctionne toujours très bien. Là-dessus, y a pas de souci. Mais du coup le double pompe chasseur n'est plus possible. Vous inquiétez pas, il va pas trop nous manquer. Vous allez comprendre. Ok, j'ai failli encore fail parce que j'ai repris mon pompe chasseur. Voilà, les mauvaises habitudes. Ça va finir par partir hein, ces habitudes, mais j'avoue que c'est quand même des très mauvaises habitudes. On va récupérer 4 PV, je pense que c'est utile. De toute façon, on va l'abandonner ici, le kit. Bon. Ça, c'est bon. Je vais pouvoir vous montrer ça. On a double pompe auto. La technique, je vais vous montrer ça. Le pompe auto, la cadence de tir normale, c'est celle-ci. La cadence de tir du double pompe auto, c'est celle-ci. Attention. Ok. Donc, maintenant qu'on a compris, on va mettre ça en pratique. Et vous allez voir que la plupart des fights seront gagnés grâce au double pompe auto. Puisque le mec qui est en face a deux fois moins de cadence de tir. Et souvent c'est nous qui mettons la balle là en premier. Il a même... Je suis sûr qu'on peut même aller plus vite que deux fois la cadence de tir d'un pompe normal. Et donc, si on réfléchit bien, le mec, je mets mon premier coup de pompe, le mec met un coup de pompe. En gros, je peux mettre 3 coups de pompe pendant que lui, il en met qu'un seul. Globalement, c'est ça ce que je veux expliquer. Donc, la personne, souvent, va mourir de 3 coups de pompe auto et il aura eu le temps de vous en mettre qu'un seul. Plutôt sympa, non?
plutôt sympathique. Donc je vais vous montrer ça en pratique. On est à 9 kills. C'est pas mal mine de rien. On va se diriger vers Loot Lake. Et ouais, vu qu'il y a la zone qui avance, on va se diriger vers Loot Lake. On va chercher du monde. On va se diriger vers Tilted aussi de ce côté-ci. Et puis à tout de suite du coup. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Ok, il y a un mec derrière moi qui a failli me tuer. Là, on a encore un peu de temps avant que la zone nous fasse chier. On va monter un peu. On va se cover dans le bac. On cherche. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Ok, on a loupé. Je crois que j'étais dessus, mais... dommage. Oh, c'était pas loin ça non plus. Allez, double pompe auto, je vais vous montrer ça. Vous êtes prêts? On est parti. Tac, let's go. Hop. On se cover tranquillement, on prend de la hauteur. On reprend de la hauteur. La cadence de tir. C'est un délire. Je vous jure, c'est un délire. C'est un délire. J'adore ce jeu. Voilà, ça c'est la puissance du double pompe auto. Alors, c'est pas ultra puissant, mais quand un mec va juste vous tirer au pompe auto tout court, vous serez toujours avantagé. Vous aurez toujours l'avantage sur lui. Donc ok, on va prendre la potion du coup. Bah, je crois qu'on va pouvoir y aller. Allons-y. Sortons de là. Un délire ce jeu, un délire. Donc je dois vous avouer que cette technique va sans doute être patch d'ici quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas. Sans doute quelques semaines hein, parce qu'à mon avis, pour le moment, c'est pas si problématique pour Epic Games qu'on puisse faire du double pompe auto. C'est pas aussi cheaté que le double pompe chasseur, hein. C'était vraiment un délire. Faut savoir que le double pompe chasseur, c'était la même chose, ou presque, presque la même chose, on va dire. C'était pas la même chose non plus. C'était un peu moins de cadence de tir, mine de rien. Mais avec un pompe chasseur qui faisait quand même bien plus de dégâts. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je vais mourir. Sauf si on a un peu de chance. Enfin, du coup, voilà, je vous ai pu vous montrer le double pompe auto. Oh, let's go, on va se venger. On est en solo versus squad cette fois-ci. Je vais essayer de faire un maximum de kills, vous montrer la puissance, la réelle puissance de ce double pompe auto en solo versus squad. Je vais aller directement sur la tour, comment ça s'appelle ça, Big Ben. Et puis on est parti. Allons-y, je vais vous montrer aussi une petite technique. J'espère que quelqu'un va venir sur Big Ben. Toi là à droite, viens dessus. Toi aussi, venez. Par contre, fais pas la technique. Non, il fait la technique. Non, fais pas la technique. Il fait la technique. Ok, on est à la merde. On est pas mort. On est vivant. Ok. Ouh. Ok, on est toujours vivant. Toujours vivant. Très bien. Bon, dommage. Il est venu, il a fait la même technique que moi, c'est-à-dire que... il a récupéré l'arme avant les autres, ce que d'habitude je fais. Et je vais pouvoir vous montrer directement la technique du double pompe, puisqu'on en a deux. Parfait. Tac. On est bon. Je suis en train de vous préparer la vidéo sur les raccourcis, je suis en train de vous préparer la vidéo sur la IM. Enfin, je crois que ça va être la même du coup. Je vais vous faire ça bien, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à la faire. Parce qu'en fait, un peu de temps, même beaucoup de temps en fait. De base, j'avais d'autres projets en cours et... je voulais la faire bien. Du coup vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer comment je joue avec la caméra. Pour le poignet. Pour les la souris et le clavier. Je vais vous montrer directement ça. Que ce soit bien fait quoi. Voilà, parfait. Ok, lui il est à l'intérieur. Ah, il est tout en haut lui. Il est tout en haut. On va grimper.
exemple, là je serais mort si j'avais pas utilisé le double pont poteau. Là je serais mort. Très bel exemple. Ça illustre bien mes propos, c'est pas mal, ça illustre bien la supériorité du pont poteau. Moi je trouve ça plutôt bien. Parfait. Et on va se mettre bien. On va récupérer les PV. Il faut qu'on recharge les ponts poteaux. On recharge, on recharge, on recharge. Nickel. On recharge. Je crois qu'il est redescendu. Oh là. Ils vont être relous, hein. Ils vont être relous. Je vous l'ai dit. On va se mettre à 75 et on va se barrer. On récupère un peu de... Hein ? Let's go. Il est juste au-dessus. Ok, tout en haut. Ok. Ils sont là. Ouh, je serais mort si j'avais pas utilisé le double pont poteau. Ah. Ok, on va se casser. On va attendre un petit peu. On va régène, hein, ça vous dérange pas. Personne. 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 Très bien. Il y a une team qui est en train de se fighter. Je suis pas sûr que ce soit le bon moment pour sortir, hein. Je dois vous avouer. Un down. Ok. Deux down. On va pas lui laisser la possibilité de d'alerter ses copains. Double mini potion. On se cover. Prends un petit kit de soin. Est tendue cette game, hein. Bien contente cette game d'ailleurs. Tac, on récupère ça, on récupère l'air bleu. Parfait. Ils sont au-dessus, hein. Carrément au-dessus. Allez, on va se commit un peu. Oh putain, mais je suis avec toi, mec. Pas. Cette game et cette game. Ah.
c'est chaud. C'est chaud. C'était trop bien. Du solo versus squad. Nice. Ah là là, j'étais en 1v8 là. C'est assez compliqué. J'ai mal joué parce que en vrai j'aurais pu le tuer 1000 fois. Non mais voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu du double pompoteau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vais pas forcément réussir à faire un solo versus squad comme ça. Si jamais je réussis un putain de solo versus squad, je vous le mettrai sur la chaîne. Voilà, double pompoteau, un délire. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui s'afficheront à votre écran, juste là sur votre écran, voilà. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Yonix, des bisous. À plus tard, à la prochaine, et à plus tard en live aussi, puisqu'il y en a tous les jours. Bisous.